Ils cherchent des complications. Vas-y. Eva Daron, le numéro 12, une fille donc de Saddlemaker, le merveilleux cousin polyglotte qui a 6000 produits depuis 3 ou 4 ans. Et c'est pas fini, hein, parce que Saddlemaker a essayé des générations de juments, des boucles de juments tout à fait riches, tant en nombre qu'en qualité, ces deux ou trois dernières années, ces deux dernières années ici à Sarcy-la-Tour. Donc on peut imaginer que le prestige de Saddlemaker va se poursuivre de très nombreuses années. Ça, c'est important non seulement pour les performances des produits de Saddlemaker, leur valeur commerciale, mais aussi dans la perspective de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'une fois que les types de Saddlemaker viendront père, donc on aura des produits avec un père de mer prestigieux. Ça, c'est très très important. Le père de mer, en l'occurrence, de cet Eva Daron, c'est Ragmar, et le père de la grand-mère, c'est Charles. Alors, cerise d'arôme, hein, c'est la saison, c'est le temps des cerises, enfin, ça c'est notre époque, le temps des cerises, mais... Ah, des bons freins là-dessus. Alors, cerise d'arôme, donc une fille de Ragmar n'a pas couru. C'est une fille de 2-10-2 qui, elle, a couru, et fort bien couru, puisqu'elle compte 3 victoires, et c'est la souche de Philippe Illico, Griffon, Howard, et Ormello. Présenté par Marc et Olivier Traquet, le numéro 12, Eva Daron.